Salut tout le monde, c'est Dadou, comment ça va? Moi je vais super bien, on est reparti avec Supermarket Simulator. Et on va continuer notre partie sans plus attendre. Alors j'ai remarqué un truc, comme un con, là je prenais des notes et tout ça, mais regardez. Attends, on va déjà payer les factures, on va voir un peu à combien ça se porte. Pouf, pouf. Alors attends, comment on fait pour payer la banque? Ah bah non, remboursement anticipé. Ok, donc c'est bon, on a tout remboursé. Attends. Ah bah voilà. Non mais c'est bon, on l'a payé du coup. Attends. Hop, voilà. Toutes les échéances sont payées. Alors, du coup, oh putain, ça pique là. Et du coup, ouais, comme je disais, en fait, voilà. Donc, on a le prix à l'unité, mais on a aussi la quantité en stock. Alors, je sais pas si c'est en stock ou en rayon. Ah non, c'est le nom qu'il y a dans le carton. Bah, donc, j'ai bien fait de prendre des notes. Voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ben du coup, ouais, je vais reprendre un autre emprunt, mais un emprunt qui est bien plus élevé. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va se prendre un emprunt, donc il faut payer 458 quotidiennement, tout ça. On va se prendre celui-là. Bon, voilà. Clairement. Donc, on va déjà aller acheter ce qu'il nous faut. Donc on va commencer par le frigo. Non, on va déjà commencer par acheter un congèle. Parce que du coup, il y en a besoin. Voilà, paf. Si vous vous rappelez bien, hier, on s'est retrouvé comme des ânes. Donc j'ai pas envie que ça recommence. Donc on va placer notre congèle. Hop. Avant de commencer quoi que ce soit. Voilà. Clairement, bah ouais, on va le placer là, je pense que ça pourrait le faire. Béga dedans. C'est chiant le placement, je vous jure. Voilà, alors, comme ça, si on aura les pizzas et si on aura les frites une fois, et là-bas, on aura le poulet. Alors, on va placer tous nos produits surgelés déjà. Bah non, la pizza, il n'y en a pas besoin. J'ai dit, tu te mets là. Alors, notre loupé, là, notre poulet. Donc, il nous en faudra un. Tu vois, voilà, comme ça, en même temps, on fait, entre guillemets, les comptes. Donc, pour... Ah bah voilà, bah, j'avais déjà marqué un poulet et une frite, une fois. Bon, bah voilà. Tac. Donc, du coup, maintenant, on va s'acheter les produits dont on a besoin et on va commencer par le frigo. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi le boss, c'est moi qui décide. Alors, du coup, on va se prendre du fromage, des nanas par 8 et du lait. Pof. Ensuite, on va se prendre du soda zap, du jus de pomme, mozzarella parmesan. Des nanas en 4 et du beurre. Donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut. Donc au niveau du frigo, tac. Ensuite au niveau du congèle, alors je ne sais plus comment ça marche au niveau du frites, mais clairement voilà, on va regarder. Donc je vais acheter déjà un poulet. Voilà. Pif, paf, pouf. Donc, un poulet. Voilà, donc là, on a nos 10. Hop, on achète. Voilà. Ensuite, on va acheter des frites une fois. On va acheter un carton pour l'instant. Voilà. On va pas s'embêter. Et on va se prendre, donc, après, on va aller sur les étagères. Donc, il faut les choux qui piquent. Pain de mie, il nous faut deux farines bleues.
Panzati café. Ensuite, il nous faut une farine rouge, spaghetti et basmati. Voilà, donc là, pof, on a tout ça. Hop. Voilà. Et t'as vu, on fait ça bien. C'est beau, ça. Hein. Ensuite, donc, il nous faut du lait, des bonbons, des chocolats, de l'eau de Javel, du lave-vaisselle. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et enfin, il nous faudra donc un de PQ, un miel, un Pablo, un honeybees. Et il me faudra 4 patates. Voilà, on est bien Tintin. Alors, du coup, maintenant, donc on est à 4000 et des poussières là, 4000 et des brouettes. Parce que là, ben, ça devient un peu le bordel. Notre magasin, il commence à se faire un peu petit avec tous les produits qu'on a. Hop. Hop. Et c'est clairement pour ça que j'ai pris donc voilà, je veux un agrandissement donc au niveau de ça et au niveau de ça, voilà. Ensuite je veux alors attends, les licences, alors, attends, ce sera combien, putain, 1950, 2600, 1881, wow. Donc ce sera 1881. Voilà, au niveau de l'agrandissement. Et je vais prendre également un rack pour le moment. Hop. Et vous voyez comme quoi le bel emprunt a été quand même bénéfique. Regardez, on a un vrai magasin maintenant. Donc on va réagencer tout ça. Alors attends, mon rack, c'est celui-là. Hop. C'est beau ça, moi je vous le dis, c'est magnifique. Et on peut passer par ici maintenant. Putain, c'est bon ça. Ah, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, eh ben on va le tourner. Ah merde, ce qui va me faire chier. Hop. Et hop, voilà. Hop, voilà. Lui, on va le tourner. Et les produits d'entretien, on va se les mettre là. Voilà. Ensuite, on va voir lui. Donc lui, c'est tout ce qui est. On va se mettre les produits sucrés ici. Voilà. Clairement. Donc ça, c'est sucré. Hop, on va le mettre là-bas. Ça va suffire là maintenant. Ça c'est sucré, bah du coup on se le met là aussi. Donc la vidéo va être un peu plus longue hein, aujourd'hui, comme vous l'avez deviné. Alors ici j'ai quoi? J'ai l'huile, le thé, le machin, le truc, ok. Alors ici on va se mettre donc produit en surgelé. Voilà, hop. Du coup, pouf. Voilà, donc les pizzas, elles sont là. Alors mes frites du coup, tiens. On va les mettre tout de suite dans le bubu là. Voilà, hop. Tac. Alors. Donc j'ai dit ici, on met les produits sucrés. Voilà. Hop. Et on est bien Tintin, moi je vous le dis. Ça commence à avoir de la gueule ce truc. Et ça, je kiffe.
je kiffe et je surkiffe et je re-kiffe. Donc ici, on a dit on met les produits d'entretien, donc hop, ici. Voilà, hop, donc ça, enfin produits d'entretien et savon, bien sûr. Pour l'instant, voilà, on n'a que ça, donc on va pas faire... On va pas mettre 50 étagères non plus, 50 racks. Pof. Voilà. Ça, du coup, c'est parfait. Donc ici, on aura les produits frais. Ici, on a les produits non sucrés. Et on a ici les produits surgelés. Eh ben écoute, ça commence à avoir de la gueule. On commence à y voir clair. Allez. Du coup, non, faut pas que je prenne ça de suite. Hop, toi, faute-moi le camp. Reste là. Et bouge pas, sale bête. Alors. Voilà. On va déjà mettre un rayon ici. Ensuite. Un rayon. On va prendre celui-là, on va se faire chier. Ici. Hop, donc là sera lui le prochain ici, voilà, on va y arriver, on va en faire quelque chose de bien dans ce magasin, vous allez voir. Ensuite, pof, comme ça direct, boum, double point. On va se mettre de l'espace hein, quand même, voilà, histoire qu'on puisse naviguer. Hop, toi ici. Ah, pourquoi il veut pas que je le mette? Ok, il m'a fait chier pour un poil de cul, lui. Hop. Voilà. Du coup, lui, hop. On va le mettre là comme ça. Ouais, on est bon. Lui là. Hop. Ça va être terrible. Je vous jure que ça va être terrible. Oups. Il est pas bien placé au niveau de l'arrière, lui. Voilà. Et lui. Et tais-toi donc. Ici. Voilà. Alors du coup. Pas bien placé. J'aime pas. Bon, on est pas mal. On est même pas mal du tout. Ouf. Donc, béguette donc, lui, tiens. Hop là. Nos poulets, vous êtes à côté de nos frites. Pouf. Impeccable. Et on est bien, Tintin. On est bien. On est bien. Putain, c'est le top. Là, c'est extra. Voilà, ça ressemble enfin à quelque chose. Alors, du coup, on va eh bien séparer les rayons. Alors, on a donc les produits d'entretien. On a le non sucré et le sucré. Et clairement, au niveau du sucré, on a une étagère, une, deux, une complète, pardon. Une complète... Une complète, une quart, un peu, une trois quarts, deux, trois, deux et demi, baguette, hop, voilà.
Donc tout ce qui est sucré, on va voir pour les foutre ici. Clairement, clairement, clairement. Tac, alors, du coup. Putain, c'est bon de passer par ici, je vous jure. On va gagner un temps de ouf. Notre sucré, il est là, voilà. On va gagner un temps de ouf en faisant ça, je vous jure. Alors, notre sucre Pablo. Alors, notre sucre Pablo. Parce qu'on a des sucres en poudre également. Et bien, le sucre Pablo, on va le mettre là. Ouais, on va le mettre ici. Voilà. Ouais, voilà. On va aller chercher tout ce qui est sucré, tout ça, machin. Le miel, on va le mettre à côté. Pof, on va le mettre ici. Alors, ça serait bien que j'ai des produits d'entretien. Alors, les patates. Oh, putain. Les patates, j'y ai pas pensé. Oh, le con. Attends, faut que je rachète une étagère. Oh, le merdier. Oh, merde. Fourniture. Bah, c'est pas grave. On achète petit à petit. Pof, allez. Parti, bim. Voilà. Donc, on va acheter un rayon. Voilà. Donc, du coup, nos patates, on va les mettre là. Hop, voilà. Pof. Comme ça, on le sait. Donc, ce qu'on peut déjà ranger, on le range. Hein. On va pas se chier à tout trois plombes là. Alors, on va voir le sucré. Donc, ici, le non sucré. Ah, putain, oui, il y a ça aussi. Et ben donc, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, cadet, c'est bon. Le non sucré sera de ce côté-là. Alors, il est où mon pain? Ah, il est là. Ah bah oui. Du coup... Ah ouais, mais on peut pas mélanger les produits d'entretien avec la bouffe. Du coup, les produits d'entretien, ils vont se retrouver là. La bouffe ici. Eh bah écoute, hop. Bah tout ce qui est... Ouais, tout ce qui est non sucré, au final, on va les retrouver ici. Alors. Hop. Ça, pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà. Est-ce que je peux voir les... Ah, ça c'est top. Ça c'est top, 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 top. Du coup, notre ami PQ. Et B, il va se retrouver ici, clairement. Hop, voilà. Ça, des patates du coup. Hop. Tac, se retrouve là. Nos Chocopic à la con. Elles sont là, donc elles sont très bien. Elles bougent pas. Voilà, ça c'est le sucré. Ah. Alors du coup, tout ce qui est non sucré, j'ai dit, ça va se retrouver ici là, de ce côté là. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est ça, on va mettre le thé ici. Donc. Voilà, petit à petit, et à la limite, ouais, j'ai même pas envie. Attends, tu sais quoi, je vais faire encore pire, je te jure, je vais faire pire. Tout le sucré, toute la bouffe, elle va aller ensemble, en fait. Oui, la bouffe, elle va aller ensemble, on va la foutre. Hop, tout ce qui est alimentaire, en fait, parce que, ouais, faut pas mélanger. Ouais, c'est pas hygiénique du tout de mélanger tout ce qui est nourriture et non-nourriture. Donc, notre huile, elle est là, donc du coup... Mmh.
pour l'instant. Elle va dégager ici. Voilà. Je vais pas chier. Alors. Parce que oui, du coup, ça va venir ici. Ben voilà. Regarde. C'est bon. On a trouvé. Donc le sucré, il va être de ce côté-là. Et le non sucré, à droite. Voilà, c'est bon. On a trouvé. Voilà, on peut le faire. Alors, attends, parce que du coup... Hop. Mes pépites. Il va falloir qu'elles bougent. Eh ben nous gâteaux, on va les foutre là. Toi dégage, toi le carton de PQ. Voilà. Donc nous gâteaux, on va les foutre ici. Voilà, notre PQ. Eh ben il viendra là. Voilà. Alors. Hop. Du coup. Ouais, on s'en fout là. Donc on va reprendre nos céréales. Le chaud qui pique. Et fort en chocolat. Hop. Du coup, nos céréales. Ben on va y mettre ici. Putain, et c'est le bordel, les gars. Les gâteaux bonbons, les céréales, on va les mettre là. Alors, le chocolat ici. Mais du coup, non. Les céréales vont là. Voilà, les céréales vont ici. Voilà, hop, céréales ici. Boum. Hop. Sachant qu'il me faut une étagère complète. Et que, bah, du coup, on l'a là. Hop. Et c'est un réagencement, mon gars. Putain, c'est terrible. J'adore, je te jure, j'adore. Hop. Eh ben, vas-y, fous le bordel, toi. Tant qu'on y est. Allez. Voilà, bon. Ici, on a le miel, on a les. On a le tâteau. Tâteau. Hop. Ça, on s'en fout. Alors, ici. Donc ici, ça sera tout ce qui est produit d'entretien. Donc du coup, ben, ça, on va le laisser. Ça, du coup, hop, voilà, c'est fait. Hop, on va pouvoir libérer une étagère là-bas. Alors, on a le pain, on a l'huile d'olive. Hop. Donc le PQ sera complet ici, lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre chocolat, du coup, on peut le ranger, lui. Hop. Tac. Donc lui, c'est bon. C'est fait, on est tranquille. Pouf. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est mon miel, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le miel. Hop. Tac. Voilà. Faudrait qu'on bouge. Putain, hey, c'est un casse-tête, c'est un Tetris le bordel. Alors, ouais, notre café. Le café. Il est où? Voilà. Un autre narval. Boum. Alors que j'en ai pas acheté. Si, normalement j'en ai un. Ah, il est où mon Arvalo? C'est pas ça, j'en veux pas, je m'en fous. Hop, dégage.
ça. J'en veux pas. Ça, le basmati, j'en veux pas. Dégage. Hop. Mon bec, j'en veux pas. Dégage. Donc, j'en veux pas non plus. Dégage. Lève là. Voilà, top. Alors, du coup, notre café, on va le foutre là. Voilà. Pof. Et ça, c'est le top. Ça, c'est le top du top. Hop là, non sucré. Boum, dégage. Attends, du coup, on va dégager tout ça. Et ça aussi, ça dégage, c'est quoi ça? Ah ben c'est le pain de mie. Donc, du coup... Ah. Hop. Ah. Comment c'est le top? Bon ben voilà, j'ai trouvé autre chose. Bon ben finalement, les racks, ben c'est trop bien. Alors... Donc le narvalo, c'est fait. Donc ici, on va pouvoir mettre les bonbons. Voilà. Pof. À côté, du chocolat. Que j'ai mis à côté ou au-dessus? Je vais les mettre à côté. Oh mais merde, je peux pas bouger le susu. Eh ben écoute, tant pis, c'est pas grave. On va faire autrement. Si on peut pas bouger le sucre, on va bouger le chocolat. Eh par contre Jean-Pierre. Hop, voilà. C'est comme ça. Alors, non, le sucré c'est là-bas. Voilà. Hop. Tac. Et tac. Voilà, pour l'instant. Hop, du coup. Il est dedans. Ici, ce sera, eh ben, ce sera notre sucre en poudre Pablo, notre Picasso. Oh, c'est beau, ouais. Juste petite bulle. J'en ai acheté au moins. Oui, normalement j'en ai acheté. Alors, putain, c'est un bordel. Attends, parce que du coup, voilà. On va faire un tri, parce que c'est un peu trop la merde. Ça c'est quoi ça? Ben voilà.
Voilà. C'est ce que je disais. Hop là. Voilà. Voilà, hop, un cousin. Pouf, on est bon. Voilà, on y va. Ça commence à aller bien. Ici, on mettra le beurre de cacahuète. Je crois que j'en ai un acheté. Il faut que j'en achète un. Putain, ça fait chier, bordel. Alors. Voilà. Il est là. Au top. Ça va aller, hein? Putain, ça fait une demi-heure qu'on fait du Tetris, là, les gars. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Une demi-heure de Tetris. Ah, j'ai pas signé pour ça, moi. Est-ce que je vais aller? Oh, ça me fait chier, vous, là. À un moment donné, va pas le faire, là. Est-ce que je vais aller? Laissez-moi crever en paix, bordel de merde. Voilà. Donc voilà. Alors, de l'autre côté. Donc ouais, du coup, produit notre shampoing, savon pour les mains. Hop. Est-ce qu'on a de l'eau de sucrée ici? Ah oui, on a les gâteaux. Alors, shampoing et savon pour les mains. Voilà, hop, ici. Tac. Hop. Voilà. Dégage donc, toi. Voilà, hop, du coup, lui, on va le fermer. On va y mettre là, le savon pour les mains. Eh ben, il va rester là. Donc, là, à ce niveau-là, eh ben, ce sera les gâteaux que j'ai dit. Hop, voilà. Voilà. Et donc les pépites, elles iront en dessous. Mais ici, du coup, on va. Qu'est-ce que j'ai en non alim... enfin, en non périssable. Donc j'ai monté donc ça le thé. J'ai mon pain de mie ici, donc j'ai mon huile d'olive. Pouf, ça c'est quoi? Ah, c'est l'huile. Pouf, le sel. Voilà, alors le sel. Regarde, hop, il est mauvais côté. Tac.
Voilà, hop. Hop, encore une bonne chose de fait. Donc voilà, ici, ok, donc ici, eh ben ce sera ça. Et crispy machin là. Voilà, on y voit clair là, on y voit clair. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Voilà, on est bien. Hop, du coup, pof, on ferme ça. Oui. Hop. Alors. Donc là, il me faut le choc épique, farine bleue. Farine bleue. Eh, ben, get down. La farine. La farine. Quelle est la farine? Bah attends, on va déjà mettre les patates, ça, ça va enlever du bordel là. Hop, voilà, ça va enlever du gros colis. Voilà. Hop, voilà. Ça c'est le passe-galli. Est-ce que je peux le mettre quelque part? Eh ben get down. Voilà. Ça va aller, hein. Ne t'inquiète pas, je gère. On peut mettre au-dessus ou pas? Non, on peut pas. Bon, bah ça ira en dessous. Alors, ici, donc j'ai quoi? J'ai honey bee. Ah oui, voilà, il me faut la farine calée bleue. Là. Voilà, paf, la farine bleue, viens ici, top, parfait, 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 bah du coup, hop, oh, tiens, impeccable, j'ai plus besoin de carton, pouf, putain, les chocs qui piquent le, hop, là, on va retirer ceux qui sont là. Tac, on va fermer. Oui. Hop là. Alors, la farine rouge. Alors, attends, le PQ là. Regarde donc. Hop. Voilà. Voilà. Ici donc il y aura la farine rouge à mettre. Ici on aura. Ah, ici on va avoir nos panzati. Alors. Ouais, du coup, il me faut la farine rouge là. Quelque part là-bas, je vous ai demandé. Hop. Tac. Du coup, ça, on va y mettre là.
nos honeybees. Voilà. Voilà, doucement mais sûrement, on y arrive à faire notre Tetris à la con, là. Putain de merde. Je veux dire, c'est une horreur. C'est une horreur, ce Tetris. Putain. Hop, du coup. Ça, ici. Voilà. Ça, bah, du coup, on peut le vider. Top. Voilà, on a dégagé notre PQ déjà. C'est une très bonne chose. Bon, maintenant, on va mettre notre farine rouge. Oh la vache, mais qu'est bordel, je te jure, mais qu'est bordel. Oh mais merde. Voilà. On y arrive. Hop, il sera là. Pouf. Hop, toi. Tac. Ici, voilà. On y arrive. Oh, punaise. Et c'est une horreur, je vous jure, c'est une horreur. Alors, ça, bah, du coup, pour l'instant, on peut pas prendre d'autres étagères. Donc, hop, ça va dégager ici. Ça, c'est quoi? C'est nos pépites. Donc, les pépites, elles vont aller. J'ai mis où mes gâteaux? Elles vont aller là, à la place du savon pour les mains. Ah, voilà. Il nous faut le riz basmati. Ben voilà, je vais le mettre sous le pain. Tiens, mon basmati. Alors, basmati, il est là. Hop là. Au top du top. Voilà. Wouhou. Punaise, on y arrive. Tac. Du coup, basmati, il n'y en a plus ici. Hop, voilà. Boum. Donc, on fait ça. Pouf, pouf. Et bien, du coup, regarde dedans. Hop, on close ça. On va y stocker là-bas. Hop, voilà. Pour l'instant. Alors, donc, il me faut les pastas ici à reprendre. Alors. Ah oui, le savon pour les mains. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, et oh la prise de tête, mec, pendant 3 quarts d'heure, quoi. Mais oh, oh, mais merde, truc de taré, je te jure, truc de ouf. Oh merde, alors hop, stack ici. Derrière ça, il me faut donc les pépites. Voilà, hop. Hop, on close ça. Du coup, ben, pour l'instant, ça va aller là aussi. On va voir comment on peut agencer. Peut-être qu'on peut, j'en sais rien, on verra, on n'y est pas encore. Donc ici, j'ai mes pastas à dégager. Alors, c'est un colis qui est assez volumineux, comme celui-ci par exemple. Et ben les voilà. Hop. Oui, on y arrive quand même. Putain. Je veux dire, c'est un truc de psychopathe. Je vous jure. C'est un truc de ouf. Hop, voilà. Donc, hop, on close. Alors, le non sucré. Oh, bébé. Bon.
coup, on va y mettre là. Bah, normalement, on va pouvoir racheter un autre rack. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Alors, ça, c'est... Pizza, bon, voilà. Alors, ça, du coup, tiens. Et ben voilà, du coup, on va pouvoir empoter maintenant. Ah non, putain, il y a le lait à bouger encore. Mais merde. Ah bah le lait, ça va, on va le mettre au-dessus là-haut. Hop. Ça va suffire, mais maintenant. Là, c'est mon loupé, mon poulet. Voilà, hop. Notre frometon. Hop. Voilà, hop. On est bon. Ça va vite. Ah putain, bah tiens, notre clean dish là. 6, 6, 6, hop. Hop. Ferme-moi ça. Voilà. Bon, frites une fois. Tac. Hop, parmesan. Ah du coup ouais, ça va me faire chier donc. Putain. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, je vais pas me gêner. Hein. Bah, je vous le dis. Putain. Voilà. Hop. Acheter un rack. Du coup, hop, pour l'instant, on va y foutre là, soit ici. Voilà. Voilà. Écoute, ici, ouais, je serais bien tenté d'en mettre un aussi. C'est le bordel, les gars, c'est le bordel. Ça fait 50 minutes quasiment qu'on se tape que du rangement. Que du rangement. C'est un truc de psychopathe, moi je vous le dis. Voilà, puis je peux toujours passer, donc c'est royal. Hop, et hop. Voilà. Ah, oh, mais merde, j'en ai mal aux mains, je vous jure. Ah non, je ne me branle pas. Ah, du moins, c'est la main gauche, là, donc je suis droitier. Je préfère le dire. Ok. Et là, c'est moi qui me prends le double point. Oh, mais merde. Et si c'est pas un truc de ouf, je te jure. Donc au final, bah là j'ai vu aussi, donc quand on a remboursé le prêt, donc voilà, hein, je repars sur complètement autre chose là, mais vous voyez, quand on a remboursé le prêt, eh bien on a eu quand même les intérêts totaux, donc c'est-à-dire les 15% donc, sur la somme, tout ça, c'est même pas journalier en fait, c'est vraiment sur la somme. Donc bah, écoutez les amis, hein, on va pas se faire chier à rembourser en avance et tout.
clairement, ben, on remboursera en temps voulu. Hein, j'ai envie de dire. Hop là. Voilà, on va pas se galérer pour ça, clairement. Ça n'en vaut pas le coup. Allez, notre beurre, tiens. Hop, voilà. Hop. Putain, on travaille enfin, les gars. C'est un truc de ouf. Mais je suis en kiff, honnêtement, là, maintenant que j'ai vu comment ça fonctionnait, tout ça. Par accident, clairement. Mais là, ouais, c'est énorme. Je vous jure que c'est énorme. C'est extra. C'est extra, franchement, extra. Alors. Hop. Ah, ben lève-la, petite salope. Oui. Tiens, hop, elle est là. Pourquoi je suis passé par là? Quelle tâche. Bref. Non, non. Hop. Madame, mon carton de petite pute. Et baissa de la gueule enfin, hein? Ça a enfin de la gueule, nom de Dieu. Et même notre réserve, elle en a, putain. Énorme. C'est beau. Alors du coup, allez, on va faire le tour, donc là. Ici tout il est blindé. Il n'y a pas de non sucré dans les non sucrés. Il n'y a pas de sucré dans les non sucrés. Les produits d'entretien sont tous ensemble. Les patates par contre. Et on va s'acheter une inversée à 500$. Voilà. Comme ça, on aura donc deux caisses désormais. Et ça me fatigue. Eh ben écoute, on a l'air pas mal. Question. Embauché. Ah, on doit faire. Eh bien, écoute. Hop. Moi, je dis. Ça me va. Allez, on la teste. Putain, on a enfin ouvert notre magasin. Ah, ma femme, tiens, qui rentre. Oh, mais merde. Oh, mais.
Eh mais ça a été la folie, sérieux. Espèce de... Pauvre Toucar. Je n'ai point à vérifier les prix. Ta gueule. Tellement excité, on a fait tellement de choses que j'en ai oublié ça. Soixante-dix-huit, putain de merde. 5-18, 5-4-2, 9-2, bouge toi petite beauté là. 7-33, 2-8-4, 3-28, ça c'est beau ça. Au final j'ai eu raison. Excusez-moi, ma petite dame. Hein. Alors, 13,56. Alors, bah, hop, le compte, il est bon. Alors, on lui doit 63,79. Ouh, 113,41. Mademoiselle. Ah, du coup, 73,40. Et ma petite princesse qui est venue me voir. Ma petite amoureuse. Ah, pardon.
Moi, je suis un fou. Je monte sur la caisse, moi. Ah, la foutre. Va falloir que j'abouse la caisse. Cette caisse-là, il va falloir que je recule un petit peu. Parce que, ouais, ne pas pouvoir passer, c'est la merde. Toi, tu viens juste pour ça. 6:47. Wow. Tu me suis vraiment ma petite dame. Il faut que je ferme. Voilà. $103.52, donc on lui doit 1,48. On est bon, les gars, on est bon. On est très bon. Énorme. Donc ouais, la caisse là, qui est là, là, je vais la reculer. Parce que ouais, c'est franchement la merde là. $132.77. Et il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas trouvé. Ça, ça fait chier. Voilà. Et ben voilà, c'est mieux. Alors, du coup. Maintenant, nous allons ranger des rayons. Et mon Dieu, que ça va mieux. Alors, ben du coup, il n'y a pas besoin. Hop. De beurre de cacahuète. Ça, ce sont les gâteaux bon papa. Ils sont là. Est-ce que j'en ai encore, moi? Non, il n'y en a plus. Donc, du coup, les gâteaux bon papa, il n'y en a pas besoin. Mais... ben si, en fait, si. Il m'en faut toujours en stock. Comme ça, on ne sait jamais. Donc du coup, gâteau bon papa, il en faut un. Voilà. Bof, on va faire les choses sérieuses. Hop, du coup, ensuite, des bonbons. Il nous en faut un. Hop, putain, et ça a été une vidéo de fou aujourd'hui. Ouf. Notre miel. Eh ben lui, il en a pas besoin. Hop. Chocolat. Il nous en faut un.
Notre sucre Pablo. Il nous en faut un. Tac. Hop. Les céréales crispy machin truc bordel là. Ah, ben il nous en faut un. Hop. Tac. Chouki pique. Venez se laisser fort en chocolat. Eh bien, il n'aura pas besoin. Hop. On est tranquille avec ce machin là. Hop là, voilà. Donc cette étagère, elle est faite. Enfin, ce rack, pardon. Ce n'est pas une étagère, mais un rack. Alors, nos pépites. Eh bien, hop. On en a un besoin. Et nos honey beans, bees, eh ben il nous en faut un. Hop. Donc du coup, si je ne me trompe, on en a fini avec le bébé de lait sucré, voilà. Alors, ça, nos bonsoir, nos clean dish. Eh ben, hop, pour une fois, on n'a pas besoin d'en acheter. C'est assez rare pour le souligner. Notre savon pour les mains. Il nous en faut un, je pense. C'est ça. Donc, le savon pour les mains, il n'en faut un. Ensuite, les produits nettoyants. Il nous en faut un. Hop. Il en faut un. Ok. J'en fous. Ça marche quand même. Je sais pas pourquoi c'est, mais bon. Le shampoing, je pense que c'est un autre programme. C'est un autre programme sur mon PC qui part en live. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, voilà, c'est pas ce jeu. Donc le shampoing, il va m'en falloir un. Hop. Donc ça, on l'a fait ensuite. Notre eau de Javel. Eh bien, il nous en faut un. Voilà. Notre PQ. Un, deux, il nous en faut deux. Hop. Du coup, maintenant, on va passer à celle-là. Alors, l'huile. Eh ben, il n'y en aura pas besoin. Hop. Le sel. On s'est fait déboîter avec le sel. Oui, de ouf. Du coup, il va nous en falloir un. Tac. Pof.
Pof. Alors ensuite, nous avons l'huile d'olive. Notre huile d'olive. Eh bien, il nous en faut un. Pof. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ça c'est quoi? C'est le pain de mie. Alors notre pain. Hop là. Eh bien, il n'y en aura pas besoin. C'est très bien comme ça. Ah, il va où? Il va là. Non, c'est là. Putain, pauvre con. Le thé. Il va nous en falloir un. Le thé noir. C'est le thé noir. Notre narvalo. Eh ben, on n'en a pas besoin. Tac. Nos spaghettis. Il en faut deux. Rien que ça. Farine rouge. Eh bien, on n'en a pas besoin. Non. Farine rouge. Hop. Pour le coup. Eh ben, on n'en a pas besoin quand même. Hop. Donc, les panzati. Déboîter. Oups. Il en faut un. Tac. Et nos packs de 6 bouteilles de lait. On se les fait déboîter aussi, donc du coup il nous en faut un. Voilà. Alors, on va vérifier quand. Ah, les patates, il m'en faut un. Les pommes de terre. Alors, le miel, qu'il faut que je vérifie aussi. Le miel, j'en ai pas besoin. Du coup, alors, les choukis, le pain de mie, il n'y a pas besoin. Les choukipiques, il n'y a pas besoin. La farine bleue, il n'y a pas besoin. L'huile, il n'y a pas besoin. Café, pas besoin. Beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, il n'y a pas besoin. Farine rouge, bah du coup, ouais, il n'y a plus besoin. Tac, tac, tac. Ouais, on a les 8. Ah, le riz basmati, il y en a besoin de. Eh ben, de 1. Voilà. Les gâteaux pépites. Les pépites, il n'y en a pas besoin. Et puis ben voilà, on est bien à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir les loupés, les poulets. Eh ben, il nous en faut deux. Ensuite, les frites, une fois. Hop. Il nous en faut un. Tac. Et les pizzas. Ben, ça se vend pas les pizzas. Putain. Pour le coup. Voilà. Ça ne se vend pas. Tac. Donc, du coup, ben voilà. Pizza, il n'y aura pas besoin. Et donc on va finir avec le frigal. Alors on va commencer par ici clairement.
Oh, imbécile. Alors. Parmesan. Parmesan, il va nous en falloir un. Hop. Le zap. Voilou. Rien du tout. Que ta culture n'a vendu deux. Quelle honte. Le thon, on n'a rien vendu en thon. Oh, mais c'est un truc de ouf. Tu restes là. Hop. Le cola. Du coup, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Hop. Pas besoin. Nos yaourts. On va en avoir besoin d'un pour avoir du stock. Là. Tric. Ça, c'est notre comté. C'est pas bien fameux. Mais il en faut un. Ça, c'est le jus d'orange. Il va nous en falloir un en stock. Non. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Le turco. Mais du coup, il n'y en aura pas besoin, c'est royal. Ici, hop, jus de pomme. On en a encore. Hop, parfait. Par 4. Est-ce qu'on en a encore? Oui, on en a encore une dedans. Hop, pof. Ça, c'est notre beurre. Hop. Notre lait. Tic, on en a encore. Nos 9 par 8. Tic, on en a encore. Et ça, c'est notre mozzarella. Mais il nous en faudra une. Alors du coup, 6 mozzarella, on l'a vu. Yaourt, thon, donc ça 12 12 8 8 12 12 8 8 12 12 5 4. Oh, il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Dégage-toi, connasse. Je viens de me faire attaquer par le chat de ma femme. Fromage, oui. Hop. Alors attends, on va regarder s'il n'y a pas d'eau. Je croyais qu'on en avait en réserve.
Eh bien, apparemment, non. Non, non, non. Eh bien, c'est tout. Ben, on va en racheter un. Et tac. Eh bien, voilà, les amis. Hop. Du coup, ben, la journée, on va la terminer. Hein, il paraît que ça peut être utile. Si on veut faire quelque chose. Tweak. Quatre produits non trouvés. Putain, ça fait chier. Oh. 1 600 $. Ça va, moi. Et du coup, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, ça a pris du temps hein, parce qu'on a remis tout en place. C'est une horreur. C'est un bordel sans nom. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et à demain pour une nouvelle vidéo de Supermarket Simulator. Ciao tout le monde.